Bonjour et bienvenue à tous sur ce. Enfin bonsoir évidemment. J'ai essayé de tourner l'après-midi mais mon truc a complètement buggé. Je crois que je suis fait pour tourner le soir. L'univers veut que je tourne le soir, hein, donc c'est pas de ma faute. Donc bonsoir et bienvenue sur Zeus le maître de l'Olympe. Et on va tout de suite se lancer dans la fausse guerre du Péloponnèse, parce qu'en fait on a appris qu'on va se taper les deux guerres médiques, celle contre. Enfin, logiquement, les guerres médiques, il y en a eu deux, Darius. Oui, non, on va se taper seulement la deuxième. Non, la première. Darius, c'est le premier. Et son fils Xerxès, c'était la deuxième, avec la bataille des Thermopyles et tout. Donc, de la laine, du blé, du blé, ça devrait pas être un problème. Un sanctuaire en plus. Ok, bon, les améliorations demeurent. Alors, on avait conquis Olympie au précédent scénario. Il nous donne des olives, donc du coup on va pouvoir. D'ailleurs, est-ce qu'on peut faire des nouveaux trucs? Non. Et oui, on peut faire ça, mais enfin, on peut pas cultiver des olives ni rien, mais on peut au moins importer les matières premières. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on va faire maintenant. Ce sera moins cher que d'importer directement, directement de l'huile, quoi. Voilà, et on va importer donc des olives. Hop, tiens, hop, voilà. Si tu as besoin d'ouvriers déjà. Oui, mais ça va, on va avoir de l'huile, nos maisons vont être améliorées, et on va avoir une population qui va éclater. Hop, et donc on va pas se contenter du tribut, hein, on va aussi leur en acheter. Et on va aussi s'atteler à la création d'un quartier riche pour se faire une véritable armée. Une armée digne de ce nom. Alors les maisons. Oui, non, alors, ça va pas du tout être assez beau par ici par contre. On va recacher tu m'étonnes, c'est tout moche. Tiens, d'abord on va isoler. Voilà. Ensuite. Les avenues. Là. Je sais pas si ça va le faire. Très bel endroit. Et ah oui, c'est vrai, il faut une cruche d'huile d'olive et on n'en a pas encore. Fuck! Comme dirait. Non. Ok, bon bah. On est obligé d'attendre d'avoir de l'huile. On peut pas leur en demander. Attends, après tout, c'est notre vassal. Bon, ils sont amers. Hein. On va leur donner. On va leur donner du marbre. Tiens, vas-y, allez hop. Mais on va aussi leur demander de l'huile. De leur commander de l'huile d'olive. Hein. C'est nos vassaux quand même. Nos vassals. Nos vassaux. Mais notre vassal. Tiens, bah voilà les premières olives. On va faire plus de pressoirs. Voilà. Célébrez-moi et Oui. j'empêcherai les prédateurs de D'ailleurs, fondre sur votre Artémis, je pense que le second temple qu'on va faire, ça va être la ménagerie d'Artémis, parce que moi je veux ces deux compagnies d'Amazone. Et par contre, je ne sais pas où est-ce qu'on va le mettre. On pourra le mettre là. Ouais, tiens, on va le mettre là. Hop. Et il faut 20 blocs de marbre, d'accord. Bon, on fera ça plus tard. Enfin, non, qu'est-ce que je raconte? Non, non, on fera pas ça plus tard, on va faire ça maintenant. Est-ce que Athènes m'aime toujours autant? Agréable. Voilà, on va leur demander du marbre, comme d'habitude. Tu m'étonnes qu'on va se battre, après ils vont nous détester, on leur demande des trucs tout le temps. Oh, putain, c'est encore plein partout. Je veux de l'huile. Est-ce qu'on peut. Ah bah attends. Je suis bête, voilà. Hop, déjà ça c'est fait. On a tout ce qu'il faut, on a encore plein de laine et plein de blé. La production d'olives est partie. On a encore besoin de 21 ouvriers. Huile d'olive. Ça vient. Alors, histoire d'aller un peu plus rapidement, on va même acheter de l'huile d'olive. Temporairement, parce que ça coûte cher. Voilà. Est-ce qu'on peut placer tout de suite des maisons luxueuses? Ah oui, non, parce que c'est pas encore assez beau, d'accord.
Ah, monument à la victoire. On est ici. Voilà. Hop, et voilà, de l'huile d'olive et du marbre. Même pas besoin de s'emmerder. Hop. On perd de l'espace, mais c'est pas grave. Qu'est-ce que je pourrais faire pour rendre ça beaucoup plus beau? D'ailleurs, je sais pas. 1, 2, 3. Ouais. Jusqu'où on va étendre les maisons? On verra bien. On va leur remettre un monument. À une conquête! Hop. Bah, c'est très beau là, avec un monument comme ça, voilà. Un, deux, trois, quatre. Il nous en faudrait encore deux. On va en faire 6 par ligne. On devrait avoir la place. 3, 4, 5, 6, 7, 8, voilà. Jusque là. Invasion déclenchée par Sard. Ok, donc les Perses commencent tout de suite, d'entrée de jeu. Est-ce qu'on a toujours nos régiments de placés là-haut? Ouais. Eux aussi, on va les sortir. On va les mettre en réserve. Voilà. Force de réserve. J'espère que ça sera suffisant. Si on voit débarquer une énorme armée, on est dans la merde, dans un très bel endroit. Tiens, on pourra faire la même technique. Voilà. Bon, on a perdu deux carrés. Quoi, comment ça, c'est pas assez beau? Voilà. Là, viens me dire que c'est moche. Voilà. Ah, ils sont chiants, hein, ces maisons. Excusez la vulgarité, mais... Tiens, hop, et on ferme. C'est moche, putain. J'en ai marre. Alors le cachet. Ah bah écoute, tiens, que cela ne tienne. Voilà. Attends, c'est moche, il y en a partout, mais on s'en fout. Non mais c'est pas vrai là. C'est de moi, j'ai mis un monument juste à côté, quoi. C'est parce qu'il y a les greniers derrière, mais ils sont derrière les colonnes. Ah bah. Voilà. Ça, c'est ce que j'appelle la bonne foi. Voilà. Pas vrai, ça. Bon. On va leur mettre tout de suite la grande agora. Hein, parce que hop, voilà. Voilà. Et là, on va mettre des entrepôts qui, pour l'instant, non, pas pour l'instant. Directement les refaire. Alors, ils auront besoin de laine. Je sais pas si je mets en accepter. Bon, déjà, voilà, 20. Ça, parce qu'ils en auront absolument besoin. Et ça, on va le mettre comme ça, accepter, obtenir, voilà. Et pareil pour lui. Voilà. Comme ça, ça sera juste à côté des marchands. La cité a besoin d'ouvriers, ouais. Tiens, bah, d'ailleurs. Maintenant qu'on doit avoir de l'huile d'olive. Pouf! Et on va arrêter d'en acheter parce que ça coûte cher. Diantre que ça coûte cher, on est en moins là. Et on va tout de suite poser la ménagerie d'Artémis. Voilà.
Voilà. Ah. Invasion déclenchée. 6 mois, ok. On a le temps de voir venir. Oups, non. Crédit épuisé. Ah merde. Oh. Comment on va faire pour s'en sortir là? Ouais, on pourrait. Ouais. Ah, ils vont pas du tout nous aimer, hein, mais tant pis, c'est nos vassaux, on s'en fiche. Ils sont là pour ça! Et en plus, c'est eux qui ont cherché la merde dans l'épisode précédent, hein, c'est eux qui nous attaquaient en premier. Sans déconner. Ils l'ont cherché. Hein. Moi, je suis tyrannique et un point, c'est tout. Bon, toi, tu vas chercher de l'huile? Ouais, c'est bon. Alors, bah voilà, maintenant, je peux plus rien faire. Hein. Je suis obligé d'attendre. On part mal, hein. On part mal dans cette mission. Ah, impôt. Non, c'est pas ça que je veux voir. Dépenses, ouais. L'an dernier. Qu'est-ce qui coûte si cher? Ouais, ben non, mais c'est parce qu'on a acheté de l'huile l'an dernier. Attaque contre Marathon. On va lui envoyer une compagnie. Et on va garder l'autre. Je pense qu'avec une compagnie... Et, tiens, d'ailleurs, attends, on va prier Arès. On sait jamais. Ah, il veut pas venir. Ok, d'accord. Je vais le redire encore. C'est beau, j'aime ça. Voilà. Ça c'est fait, on n'en parle plus. Nos finances ont un peu remonté. Voire impôts, tiens, attends. Est-ce que eux sont taxés? Bon, ça, pas d'impôts prélevés. Ah, si, il y a un contrôleur qui passe là. D'ailleurs, un contrôleur pour tout ça, ça va être. Largement insuffisant. Voilà. Oui, je sais qu'on a besoin d'ouvriers, mais ça devrait évoluer là. L'huile d'olive, qu'est-ce qu'il fait? Ah non, mais il est parti en distribuer de l'autre côté ou quoi? Ah bah oui. Ah oui, le con. Mais oui, mais ce marchand, il faut pas qu'il aille de ce côté-là. Merde. Attendez. Je me demande si on peut pas mettre une agora de ce côté-là. Il faudrait même faire... Ah, et ouais, c'est pas le moment. Jamais à craindre le feu. Ouais, il faudrait supprimer un truc, là. Ouais, enlever le podium, on va le mettre de l'autre côté. Podium, podium, podium. Podium. Du flamme! Voilà. Voilà. On va leur mettre ça. Ça. Et ça. Voilà. Voilà, comme ça il partira de l'autre côté. Merci! Voilà. Mon allié me... Enfin, mon indiscipliné... Oh, pop, 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 pop. C'est quoi ça? Ah, ils arrivent par bateau. Ok, ah, ils arrivent par bateau. Super. On va encore lui donner du marbre. Voilà. Même si ça nous en fait en moins. Donc ils arrivent par bateau, c'est la merde. Et là, vous vous rappelez, j'avais dit que je voulais fortifier cette île. Et bah c'est ce qu'on va faire. On va mettre quelques murs et quelques tours. Voilà.
Voilà. Bon, après, il faut une route. C'est pas un souci. Voilà. Et si jamais il y a un problème, paf, on mobilise. Ah mais on est remonté là, on est remonté, on va pouvoir se lancer dans la confection. Alors ils ont besoin de... voilà, ils ont besoin de ça. De loisirs, voilà, de plus de loisirs. Ah mais du coup c'est emmerdant hein, parce que je suis emmerdé. Bon ouais, écoute, on va le mettre là, hein, voilà. Mais eux ils en auront besoin aussi, oui. Je parie. Plus d'activités culturelles. Comment qu'on va faire? Je sais. L'école de théâtre, on va mettre une là aussi. Mais. Voilà. Comme ça, ils partiront forcément par là. Mais du coup, on a toujours besoin d'ouvriers. Putain, 106 ouvriers, ah ouais. Je mets encore des marchands d'huile pour améliorer deux lignes. Deux lignes de maison. Voilà. Bon, ici ça avance bien. En fait, qu'est-ce qu'on peut leur vendre? Bah, du marbre, mais c'est vrai que je peux pas en faire. Et si on conquise Sardes, ils ont besoin d'huile d'olive. Ouais, ça m'intéresse pas non plus. Ah ok, ils arrivent bientôt. On va voir si mon système de tour va être efficace. Oh, regardez-moi ces résidences abandonnées, c'est miteux. C'est miteux. Ok, donc le mois prochain. On n'a pas plus d'activités culturelles. Évidemment, comme il n'y a pas assez d'employés, c'est la meilleure. Bon, ça va venir, ça va venir. En attendant, il faut se préparer parce que on va devoir mobiliser les troupes dès le mois de janvier. Là. Trop loin et trop loin, ouais, je m'étonne. Le truc, c'est que si je mets obtenir, ils vont vider les trucs qui sont ici et. Et eux n'en auront plus. Pour l'instant, on va laisser comme ça et tant pis. Vous êtes prêts pour la grande bataille, c'est bientôt. Bientôt, bientôt, le mois de décembre va se finir. Quelle tension. Par tous les dieux, jamais je n'oserais menacer moi. Ok. C'est parti. Hop là. Oui, accepté. Et hop, mobilisation des tours. Et par où ils arrivent? Ouais, ils arrivent par là. Bon, normalement, on va voir s'ils sont assez efficaces. Hop, un petit mec qui patrouille sur les murs. C'est pour ça que j'ai mis des murs à côté. Vous tirez, là? Oui, c'est bon. Ouais, pas très efficace, mais bon. Tant pis. Ah! Si vous pouvez couler un bateau ou deux, ça serait pas mal. Hein. Que vous serviez pas à rien. Ouais, du coup, je pense qu'ils vont débarquer dans la plaine. Eh, faut venir là.
Hop, les lanceurs de cailloux là. Voilà. Je pense qu'ils vont débarquer ici. On s'approche de ce bateau pour l'abattre. Quoi, quoi, quoi? Ah, ils ont accosté, d'accord. Ça commence! Non, il faudra mettre des tours partout. Oh là là, on va se faire balayer là. On va se faire balayer la tronche. Bon, ça évolue comment ici? Plus d'activités culturelles. Ouais, mais il vous manque quoi? Acteurs, ils ont. Athlètes, ils ont. Champions, ils n'ont pas, mais c'est normal. Ah oui, il leur faut des philosophes. Bon, on verra ça après, là. C'est pas le moment! Oh god! Oula, voilà, voilà. Combien là? 8! Ils sont toujours 8! Non, c'est pas eux. Bon. Ils sont 5, ouais, c'est bien ce que je me disais. Mais on va gagner. Et voilà! Finger in the pocket. Laissez-les fuir, hein. On s'en fiche. Tout le monde au bercail. Voilà. Maintenant, on peut se concentrer sur les philosophes. J'ai mis un théâtre du coup pour... ah, on s'en fiche, on verra pour plus tard. Là ça va pas être du tout un quartier, on va quand même optimiser quoi. On va le faire n'importe comment. Il va leur falloir de l'armement bientôt. La musique qui se calme, ça fait toujours du bien. 213 ouvriers requis. Mais ça vient, ça vient. Plus d'activités culturelles. Là aussi, ils vont avoir besoin d'un théâtre. Du coup, il y a déjà des écoles de théâtre, ils enverront des acteurs. Oui, des armes. C'est ici le bronze, ouais. On en achète déjà. Il va nous falloir des armureries. On va en faire 4. Pardon, excusez-moi. Ah, j'ai encore oublié de regarder à quelle heure je commençais, donc je sais pas du tout combien de temps ça fait qu'on est là. Au pire, je couperai cet épisode en deux. Ah là là là. Bon, allez, ils ont tous évolué? Oui, c'est bon, ils ont tous besoin d'armement, sauf lui. Lui. Ouais, marathon, on lui a envoyé un soutien. Tout eux, ils sont indisciplinés, j'aime pas ça. On devrait leur donner. Bon, du marbre. Ouais. Et hop. On va donner à Athènes du blé. Pour derrière leur demander du marbre. Vous connaissez la combine. Quoi, il faut que eux se dépêchent. Hein.
faudrait que ma main d'œuvre remonte là, mais c'est quoi le problème avec la culture? Philosophe, c'est bon, athlète, c'est bon, acteur. C'est pas bon. Pourquoi tu envoies pas des bonhommes, toi? Ça m'énerve tout ça. Est-ce qu'on a la place pour mettre un théâtre ici? Là. Bon, en tout cas, là, ça marche. On dirait. Et je vois que j'ai des immigrants qui arrivent, donc c'est tant mieux. C'est quoi son problème à lui? Pourquoi il envoie pas de d'acteur? Tu vas pas me dire que le théâtre est trop loin. Bon, les armes, ça avance. 64%. Oh ouais, on est déjà à moins 15. Qu'est-ce qui fait ça? Qu'est-ce qu'on peut vendre? Non, on vend déjà des sculptures. Du blé, on va pas vendre des olives, on en importe. Bah eux, ils sont contents. Et lui n'a pas d'accès à la route.